Bonjour, bienvenue au coin de lecture de Tristan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Poupou Pédour. C'est un livre que j'ai vraiment aimé quand j'étais petit. Et j'ai oublié de vous dire que c'est de Benjamin Shaw. J'adore ce livre parce que il y a un petit trou ici, tu vois. Et quand on l'ouvre, Poupou Pédour, c'est là-bas. Et c'est vraiment cool parce que regarde, tu vois, dans ce trou, il y a Poupou Bidours qui court. Et dans chaque page, il y a chaque page nous montre une autre page. Chaque page est comme, c'est comme un trou dans la page. Et après, il apparaît à une place différente. Et une meilleure façon, après que tu lis le titre, tu vas en arrière et lis le derrière pour te dire un petit peu qu'est-ce que l'histoire est. Donc, je vais vous le lire pour vous. Petit ours se réveille un joli matin du printemps. Il sait bien qu'il ne faut pas trop s'éloigner de son tanière. Mais quelle est cette chose brille derrière les arbres? Où est donc passé papa ours? Attiré la lumière du soleil, puis par le chemin il ne connaissait pas, petit ours tortine la recherche de son papa. Dont aperçoit soudain l'imposante potin l'entrée du grand creek. Tout en piste pour une nouvelle aventure de petit ours. Donc, ce livre parle d'un cirque et des animaux qui sont dans un cirque. C'est vraiment cool et vraiment intéressant. Et mon professeur, Mademoiselle Emily, m'a recommandé d'acheter ce livre et je l'ai acheté sur ligne. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Je l'adore beaucoup. Et comme je dis chaque semaine, n'abandonnez pas la lecture et n'abandonnez jamais le coin de lecture de Tristan. Je vais vous voir la semaine prochaine. Bye!